Les Marseillais en Australie, Magali Berda indique si Kevin et Carla sont de nouveau en couple. Quand Carla s'est séparée de Kevin, elle s'est installée quelques jours chez son agent Magali Berda. Elle y a passé quelques jours et revient la voir très souvent. Seul problème, la chroniqueuse de Touche pas à mon poste a récemment posté un snap qui a fait parler. En effet, certains de ses followers pensent avoir reconnu la voix de Kevin. C'est pourquoi, ils en sont arrivés à la conclusion que les deux candidats des Marseillais en Australie s'étaient remis en couple. Magali Berda a donc répondu à ces rumeurs sur son snap. Les Marseillais en Australie, Magali Berda dément la réconciliation entre Kevin et Carla. Ceux qui espéraient une possible réconciliation vont être déçus. En effet, Carla et Kevin ne se sont pas remis en couple. Certains pensaient que le candidat des Marseillais en Australie se trouvait chez Magali Berda, en même temps que Carla, mais il ne s'agissait pas de lui comme l'a indiqué la directrice de Shona et Van. Certains ont oublié que j'avais un mari et trois enfants. C'est mon mari qui était avec moi, heureusement d'ailleurs. Kevin était à Marseille avec Paga en train de snapper. À moins qu'il fasse de la téléportation virtuelle, je ne vois pas comment Kevin aurait pu être chez moi en même temps que Carla. Les Marseillais en Australie, Kevin aimerait mettre fin à cette guerre débile. Kevin et Carla ne sont peut-être pas réconciliés, toutefois, le jeune homme aimerait mettre fin à leur guerre. En effet, sur Snapchat, le candidat des Marseillais en Australie a déclaré: quand je regarde les épisodes, je me dis que parfois je suis un vrai fou en fait. De l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. On s'est aimé très fort, peut-être trop. De se mettre dans des états comme ça, c'est pas humain. On s'est aimé, mais de se mettre dans des états comme ça, c'est surtout débile. Quand on dit que l'amour rend aveugle, ça rend surtout con parfois. Pour ma part en tout cas.